Autre poste de dépense important pour les foyers, l'alimentation. Il représente 13% de notre budget. Et là aussi, comme pour l'énergie ou encore l'essence, les prix ne cessent d'augmenter. Alors à Lyon, Pierre Christen a fondé l'épicerie La Fourmi en 2015. Le concept est simple, des produits déstockés et donc moins chers. Les clients, évidemment, s'y retrouvent aujourd'hui. Sur place, Jade Terlinck. Consommer de façon plus responsable avec des plus petits prix, c'est possible dans cette enseigne La Fourmi et ça intéresse de plus en plus de monde. On retrouve des produits de grandes marques mais également des produits bio, des produits locaux à prix réduit. En tant que consommateur, il faut quand même être flexible puisque les arrivages sont aléatoires. Ils dépendent des grossistes qui livrent ici et en plus on a des dates de péremption qui sont parfois très très courtes. C'est un mode de consommation qui intéresse beaucoup les clients, notamment les jeunes. On est avec Antoine, 24 ans. Alors pourquoi vous venez dans cette épicerie, Antoine ? Car je suis étudiant en art, donc mes revenus ne sont pas très élevés. Je suis content de pouvoir venir ici, trouver des produits pas chers, bio, qui sont bons, que je ne pourrais pas trouver en grande surface. C'est meilleur pour la santé et c'est plus responsable aussi. Les produits sont vendus ici en moyenne 20 à 30% moins chers que dans les enseignes de centre-ville.